Salut, salut tout le monde, c'est Tuto Pratix. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment désinstaller des spyware avec Spybot Cherche en Destroy. Désolé pour l'accent pourri de l'anglais. Donc, je vais vous montrer en fait comment donc retirer les spyware avec l'ancienne version. On va tout d'abord donc se retrouver sur Google et ici, vous allez taper tout simplement télécharger. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Hein. Spybot. Et là, ce que vous allez faire, en fait, de toute façon, je vous le mets dans la description. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Donc, on va aller sur Fyhippo. Voilà. Ici, donc, ce site-là. Bah c'est bien parce qu'on cherche n'importe quoi. Je ne sais pas. On peut chercher, je sais pas, Photoshop peut-être. Oh là non. Oh non. C'est S3 donc non, c'est pas. Non bon. Non, bon, n'importe quoi, de toute façon, il y aura toujours des logiciels où on pourra télécharger des anciennes versions. Voilà. Donc, libre à vous de choisir ce que vous voulez. Voilà. Donc, sur ce, quand vous êtes ici, vous cliquez sur télécharger cette version. Et quand vous êtes dans le programme d'installation, vous lancez, vous acceptez les contrats d'utilisation et tout ça. Quand c'est fait, quand vous avez tout accepté, que c'est prêt à être installé, tout ça, vous aurez une fenêtre petite là, vous créez une sauvegarde du registre, vous faites suivant, et puis après vous lancez le logiciel, je crois. Mais quand le logiciel se lance automatique, vous le quittez, et vous faites un clic droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur. Là vous faites oui, hein, bien entendu. Là, vous patientez pendant que ça fasse ça. Alors, pourquoi je vous dis l'ancienne version? Parce que, tout simplement, la nouvelle version n'est pas efficace du tout. Elle n'enlève absolument rien. Le scan n'est pas rapide du tout. Et justement, elle est rapide de 2 secondes. Enfin, moi, ça dure 2 secondes, le scan. Et puis, il ne me trouve rien. Alors que celui-là me trouve au moins plusieurs spyware. Donc là, vous faites OK. Ici vous êtes dans vaccination, donc c'est pas le meilleur avec Spybot parce que tout simplement c'est ce qu'il y a de plus long. Donc voilà, donc là ça vous affiche les fichiers non protégés et là les fichiers protégés. Ici le total. Alors il faudra tout simplement cliquer sur vacciner. Ça prend beaucoup de temps. Après ça dépend de la vitesse de votre PC. La capacité de votre PC. Après normalement si tout se passe bien, on va dire que c'est bizarre mais il faut que ça prenne du temps. Sinon pour moi même les antivirus qui font des scans qui ne durent pas longtemps, c'est pas efficace. Voilà. Tout simplement. Moi il faut que ça dure longtemps. Donc là, c'est pas un scan, ça vaccine en fait vos dossiers. C'est-à-dire que quand vous allez télécharger un truc sur Firefox, ils vont vous dire qu'il y a un truc dedans, dans Firefox, quand vous avez téléchargé un dossier, je sais pas, n'importe quoi, peut-être n'importe quoi, ils vont vous dire qu'il y a un truc de bizarre dedans, est-ce que vous voulez modifier le registre? Vous ferez oui, bien entendu. Hein. Et parfois, ils vont vous dire qu'il y a un truc qui peut infecter votre PC. Et là, dans ces cas-là, vous faites tuer le spyware parce que c'est ça qui vous met. Voilà. Bon, écoutez, j'attends que ce soit fini. Je mets pause et puis je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Donc, quand la vaccination est terminée, il vous suffit. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire que c'est bien aussi de faire une mise à jour parfois. Mais là, on vient de l'installer, donc c'est pas trop la peine, on va dire. Mais bon, c'est quand même mieux de le faire.
Donc, quand vous avez fait votre vaccination, vous allez dans Cherche un Destroy et vous cliquez sur Vérifier tout. Donc, on se retrouve. Donc, voilà, donc ça peut prendre 2 heures, 1 heure et demie. Donc, on se retrouve juste après. À tout de suite. Eh bien, re tout le monde. Donc, quand le scan est terminé, tout simplement, ici, vous aurez écrit si le scan est terminé. Félicitations, car mon chien a été trouvé. Ou il y aura pas mal de choses qui seront en rouge, ou une ou plusieurs. Et vous verrez que la plupart, c'est écrit soit Delta Toolbar, ou Babylon Toolbar, ou des toolbars en fait. Hein. Vous verrez qu'il y a pas mal de toolbars. Et il y aura bien entendu d'autres choses. Hein. Ou soit vous en aurez plusieurs, soit vous n'en aurez qu'un. Bon, peu importe ce que c'est, vous cochez tout, vous cochez tout ce qu'il y aura, et vous ferez corriger les problèmes. Alors, si vous en aurez plusieurs, ils vont peut-être vous demander de redémarrer votre PC, mais vous le faites. Ensuite, quand votre PC est redémarré, vous aurez votre session. La session, normalement, elle a du mal à s'ouvrir après que vous faites redémarrer. Voilà, donc ne vous en faites pas, hein, c'est normal si votre session a du mal à s'ouvrir. Ensuite, votre écran sera tout noir, donc ça non plus, ne vous en faites pas, c'est pas grave. Et ensuite, vous aurez un cadran de cette taille-là qui vont vous dire que ça analyse le PC. Alors, ça peut prendre 2 heures, voilà, ou plus, ou moins, ça dépend. Donc, ça, faut surtout laisser faire, comme ça nettoie bien votre PC, puis là ça corrige. Donc si vous en avez plusieurs, ça corrige un, ils vous demandent pas de redémarrer votre PC. S'il y en a plusieurs, vous corrigez, puis après ils vont vous dire de redémarrer votre PC normalement. Vous le faites, et puis voilà. Donc écoutez, c'était tout pour ce tutoriel. Donc j'espère que vous avez apprécié, que voilà. Continuez à vous abonner à ma chaîne, hein, parce que les abonnés là ils continuent. Et puis voilà, donc commentez mes vidéos et surtout likez et abonnez-vous. Voilà. Donc, voilà. Donc, passez une très bonne journée. Ouais, très bonne journée. Puisqu'il est 7h49. Voilà, une très bonne journée. Puis, restez en ligne. Voilà. Allez, ciao, ciao les gens.